Je ne sais pas à quel degré le Togolais veut que sa souffrance atteigne avant qu'il ne commence à parler. Dans cette vidéo, je voudrais parler de nos opérateurs téléphoniques qui est MOUF et Togocel. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent la communication est un luxe au Togo. Quand je dis la communication est un luxe au Togo, ça veut dire que c'est extrêmement cher. Actuellement, Togocom, qui est la version la plus désastreuse de Togocel, augmente les tarifs de communication. Et là, personne ne dit rien. Personne ne bouge, personne n'en parle. Alors que Milesse, Vévé, les Miami, quand Nyemsen, Kenti, Tchango, Mobé, Oledia, Daro, communication, doit service pour le fournir, service à les vraiment dégoûtant, service à les vraiment de mauvaise qualité. D'abord, Mimdo, service client, le Togo. Non, Tobiodo, service après-vente. Voilà, nous, service après-vente. On a des fonds, les crédits, mais non. Voilà, nous, Nous allons décrocher. Le problème que vous voulez expliquer, mais on est dépassé avec le bout de fil, avec le raccourci, le tout. Bon, nous allons faire ok. Si c'est là, il y a une agence, il y a une telle adomo. Alors, il y a une telle agence, il y a une réclamation. Oh, accueil est vraiment, vraiment bad. Il se comporte là-bas comme si on y est la madou. Il se comporte comme si on n'y moins que rien parce qu'on les climatiseur, mais. Et personne n'en parle. Pourquoi personne n'en parle, Togolais? Est-ce que Onyabe est détenu le pouvoir? C'est nous qui nourrissons ces gens qui sont là-bas. Nemi décidé de me dire au boycott. Amerikema émettre appel. Amerikema plaît forfait internet. Togocel et Mou perdront des milliards. Perdront des milliards. Voilà, nous l'augmenter communication. Service qu'on le rendre, service qu'on le fournir à tiens, service à Mléon. Voilà, mille bonnes. Ils vont toujours continuer à nous baiser. Ils vont toujours continuer à nous pomper le sang. Et des fonds, toi. Et des fonds. Lorsqu'on se plaint de la misère qui sévit au Togo, lorsqu'on se plaint du taux de chômage au Togo, on nous parle de l'entrepreneuriat. On nous demande d'entreprendre. Le business du siècle, c'est le e-commerce. Mais comment peut-on réussir dans le e-commerce? Comment peut-on promouvoir nos produits avec une connexion lente, une connexion très chère et une connexion inexistante dans certaines zones au Togo? Par exemple, jeune vidé, elle a été na Rome, la plebe produit na Rome, la magasin na Rome, la nos salons les internet tiers. Ou une connexion les chers, une date plus. Une connexion les lentes, une touche, une date non Rome, la salon est obligé la tout alors la plebe ici la filer. Une connexion par exemple les intérieurs du pays, connexion moule les touche ou le jeune qui est à l'intérieur du pays. Comment peut-on promouvoir ces produits? Exemple, quand les deux m'ont fait les bambou, on les dédommage au champ, on les accompagne financièrement. Il y a des connexions, non, les Togo, connexions les moins chères, les Togo, connexions les accessibles à tout ça. Donc, dans le magasin, tiens, mais il y a les internet, il a été créé, il y a des pages, il a été aux publicités, il y a des produits. Donc, à Togo, c'est le coup de move. Mis des coucou namie, un peu de respect pour ceux qui vous font de l'argent, un peu de respect pour ceux qui achètent vos produits. Mi ma tenno et doumele ke a moko le tanamia o le zimido me miao ke chami le wogana mi le zimido mi de coucou connexion le edudo me avec 100 francs on l'a nagé les connexions. Mais je me rappelle lorsque je suis allé au Ghana avec 20 cedis. Équivalent de 2000 francs CFA. CFA, j'ai 4 gigas. 4 gigas avec 2000 francs. Et ça n'a pas date d'expiration. On l'a sans connexion. Au Togo, quand on a eu un médecin, on l'a bipé, on a décoché. On a dit beaucoup, troyum. Nous, j'ai connexion, on a fait la vidéo. Soit on l'a tout, on l'avait appelé Wi-Fi, on l'avait non Wi-Fi zone. Nous l'appelons connexion 500, nous l'appelons connexion 200. Quand vous l'appelez, vous appelez vidéo. Non, bien vous appelez vidéo. Soit vous avez Wi-Fi, soit vous avez une connexion. Sous au moins 5000 francs. Quand vous l'appelez, vous m'avez dit non, vous m'avez dit non. Donc, c'est le coup de move, je vous interpelle encore. Et tu connais Milo. Et tu connais un peu de respect pour le peuple togolais. Et le peuple togolais aussi, fais-toi respecter. Quand tu n'es pas content, il faut le manifester. Quand tu te sens opprimé, quand tu te sens volé, quand tu te sens triché, il faut le dire pour qu'ils sachent que c'est toi qui détiens le pouvoir. Et ils en sont.